tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Retro World. Et push start. Et push start, toujours avec notre ami Darkmist. Et avec notre ami. On n'a pas entendu, je tiens à le dire. Bah toujours avec notre ami Darkmist, pardon. Avec moi-même, Mist voilà. Dark. Et puis voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Ceux qui tomberaient par hasard sur ces vidéos, on explique vite fait le principe. Voilà, on fait de la cop sur des jeux arcade avec en utilisant ROM Station, qui nous permet de jouer online et pas côte à côte, mais ça permet de retrouver un peu les joies de l'arcade. On essaye de finir les jeux. Je dis bien, on essaye. Voilà, notre but n'est pas forcément de finir tous les jeux arcade qui sont jouables en coop, mais on essaye plutôt de présenter un large panel de jeux, que ce soit un jeu où on peut jouer à l'histoire ensemble, des jeux de sport, des jeux de combat, etc. Oui, on essaie de faire découvrir. On se replonge dans les salles d'arcade d'antan. C'est ça, on revient dans les années 80-90 où on joue aux jeux comme on y jouait à l'époque, quand on était ensemble en train de faire les 400 coups devant les bornes d'arcade. Voilà, donc tu nous reposes aujourd'hui Blood Bros. Blood Bros, un jeu de cowboy et d'indien. Voilà, dans la même veine que Cabal qu'on avait fait. Bah, Cabal et Nam. Et Nam aussi. Mais Nam, tu l'écran se déplaçait. Que Cabal, c'est plus un écran. T'avais un scrolling horizontal que c'est là, ça. On n'a pas. Là, c'est des écrans fixes. Et Cabal, c'était parti, fixe aussi. Oui, c'était fixe aussi. Donc, on y va ? Bah, je te laisse appuyer, je crois que c'est toi qui appuies, il me semble. Ouais, c'est bon, t'as pris les deux crédits. On est parti, on va jouer au cowboy aux Indiens, ça nous rappelle notre enfant. Même si ça ne doit quasiment plus exister, malheureusement pour vous. Franchement. Voilà, je trouve ça triste, pour vous, personnellement. Alors, ça c'est mes grenades, ça c'est la roulette. Ok. Content de ramasser. Là, c'est bleu. Oui. On peut rester appuyé. Oh, ça fait plaisir. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Yeah. Bon, par contre, je vais jouer comme ça, c'est pas grave, mais je trouve que ça gueule un peu. Chez moi. Ah bah, moi ça va. Ah, toi, ça gueule un peu. Ouais, t'as tout fait. En même temps, c'est compliqué parce qu'il son sur ce jeu. Il n'y a jamais de son à part une petite musique. Alors, ce que je peux faire, moi, c'est que je propose. Voilà, je suis mort, mais je suis mort en héros. Voilà, j'ai sauvé légèrement vos oreilles. Ah non, je pense que je vais descendre. Je vais mourir, c'est pas grave. Vous allez voir un peu. Hop. Bah moi j'ai juste baissé en fait le son du jeu quoi en gros. Sur le truc. Ouais. Sans trop baisser. Ce sera moins fort. Ah, il y avait des avions. Et le mec il va se ramener, putain j'entends plus rien. Il nous a arnaqué, mais non, remets le son. Les gens, ils sont relous les mecs, il y a des mecs qui font des feintes. Je savais que t'allais finir avec une plume dans le cul un de ces jours, de toute façon. Ah, premier boss. Oh, mini-zingin. Oh, je suis mort, première mort. La mer morte. Alors je sais plus comment c'est, ça dure les balles. Alors je vois qu'il y a un nombre d'ennemis à fumer. Il me semble que c'est ça. Ah oui, les tableaux marchent comme ça en fait. Il n'y a pas un truc précis à faire. C'est un nombre. Oh, cette esquive. Le train. Les tutus. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il a accéléré le jeu. C'est pas la présence du train qui donne cette impression. Je sais pas, mais j'ai l'impression que le jeu est... Ah, ok. Non, je pense que c'est le train. Parce que genre, il est en descente, tu vois, ils ont simulé la descente.
Mais là, je pense pas qu'il s'accélère. Là, je vais... Oh non, juste quand je me relève, je me prends une balle. Ah ouais, d'accord. Ouais, il vient jusque devant nous, en fait. Ouh. Oh, j'ai pas eu le temps. Ah bah moi, j'ai fait que rouler. Oh, c'est gentil. Tu m'as donné un one-up et... Ouais, et il m'a chouré mon one-up, ouais. Espèce de vilcatin. Hein. Ah, stage 2. Stage 2. En même temps, c'était un peu bordélique. Hein. Moi, j'avoue que j'ai pas tout compris. Il y a des mecs qui sont en cheval ici. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui leur arrive? Allez. Putain, c'est le bordel. J'arrive pas à suivre tout à l'écran. Oh non plus. Il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs des fois. Il y a des mecs qui portent des bombes. Voilà, moi je fais tout péter. Ah ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a accéléré. Ou alors il est beaucoup plus rapide que Cabal et c'est ça qui me... Ouais, je pense que c'est peut-être plutôt ça. Ah. J'ai oublié de mettre une roue là-dessus. Juste une claque des... Je te claque la grenade. Sérieux, quoi. Non, après je pense pas. Hein. Perso, moi je pense que c'est plutôt le jeu, oui, qui est plus rapide par rapport à ce qu'on a pu jouer ces derniers temps. Je pense que c'est plutôt dans cette veine-là. Et bon, merde, après c'est pas grave. Hein. Plus c'est rapide. On finira le jeu, là, sachant qu'il est déjà rapide. Ah. Oh, le bruit du cochon que... T'entends ça? J'ai été focalisé dessus aussi. Parce que la course à la fin de l'Indien et du Cowboy me semble pas exagérée en fait. Perso, elle me semble normale. J'ai ce sentiment-là quand je le voyais à la fin de l'arcade. Bah ouais, je crois que j'étais en train de faire. Je suis tenu les chevaux, moi. Jamais sans ma pirogue. Je suis même les chevaux. Comment ça, les chevaux veulent se barrer? Vous êtes des fous. Quand tu shoots dans les chevaux, ça te donne des points, c'est dégueulasse. Bah oui. Oh mais là voilà Charles Ormelot, moi évidemment. Faut le comprendre. Ah non mais attends. Ah t'avais raison, t'avais des choux dans le cul. Moi je vais tout péter. Là il y avait trop de monde là. Mais non, il y avait pas trop de monde. Il y avait trop de pirogues. C'était une impression. Oh, il y a le feu au saloon. Je sais pas si c'est le saloon. Merde, j'ai pas eu le temps de roulette. Mais non. Il y a de l'esquive quand même. Moi je l'ai dit. Ça tente les esquives. Oh oh oh. Ah non, je suis con. Ah, j'ai pas eu le temps non plus. Non, non, le cheval qui se barre là, il s'est cru où lui? Les mecs sont des fous quoi.
Il s'est pris, je suis un cheval ou genre je vais te laisser tranquille. Mais t'as rêvé ta mère, toi. Bon, ouais, je te laisse partir. Non, les cochons! Ce bruit de trailleuse. J'adore ça, c'est du gun. C'est pas du double gun, ça? Putain, fallait du réflexe quand même à l'époque, hein. Yeah! Ça va, ça passe bien. Ouais. Ça fait plaisir. Tâche-tui. Ah, c'était un jeu, fallait être réactif. Ah, dans le salut. Tu vois que c'était le salut. Parce que là, on est parti dans une autre ville et ils voulaient nous rappeler que voilà, le salut, c'était important. Hein, on allait voir des copines ici et on buvait un coup avec les potes. Ouais, et c'est parti en sucette parce qu'ils ont dit: eh, on veut pas d'Indien ici. Voilà, c'est de la faute à Butters. Non, c'est de la faute au racisme. C'est de la faute à Butters. Toujours il faut qu'il fasse chier tout le monde. Je lui ai déjà dit, arrête de te mettre des coups dans le cul, ça te réussit pas. Tu devrais le savoir. On n'a pas le droit. J'ai l'impression d'être tiercé quand je vois les mecs au long comme ça. Ça, c'était bon, ça. Ah merde, j'ai récupéré une arme, quand c'est fini. Ah, j'ai tout ramassé. Ouais. Ah, comment j'ai escroqué tout le monde. Ah, la gare. Enfin, pas loin. On se fait attaquer par des Indiens. Pourquoi tu leur dis pas qu'on est avec eux? Parce que c'est pas la même tribu. Aïe. Mais genre, un truc, moi je t'en perds. C'est toi qui viens de parler de racisme, mais maintenant, voilà, on s'en fout. Ah non, y a des tribus dans les Indiens, y a des Comanches, des Apaches et tout ça. Ouais, non, mais ça, je le sais. Mais voilà, t'as tu me dis, ouais, c'est parce qu'ils sont capables de racisme et tout. Et maintenant, tu me dis, ouais, ben. Non, là, quand je t'ai dit le racisme, c'était les cowboys qui ont. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Mais s'ils sont déjà racistes entre Indiens, où va le monde? C'est quoi ce bordel? Faut pas s'étonner qu'après ce soit bordel. Oh, le jeu, il a pas aimé. C'est bon, calme-toi, c'est fini. Regarde, c'est fini. J'ai détruit les deux bâtiments en même temps, il a pas aimé. C'est bon, calmez-vous, s'il vous plaît. Tâche 3-3. Oh, c'est qui a niqué la diligence? C'est le moteur, je suis sûr. C'est un train. Bah, c'était la diligence, je suis sûr. Mais non, c'est le train qu'on a défoncé tout à l'heure. Attends, c'est fini les diligences en charrette. Oh. C'est les trains maintenant qui font la diligence. Il y avait des gens dedans. T'as pas vu qu'il y avait des wagons tout à l'heure? Mais non, regarde, c'est de la mine. C'est de la mine. Ouais. Tu dis ça par alors là, on va. On a sorti là. Ouais. Oh non, je me suis fait. Je me suis fait rect. Ouais. Vous avez le bonjour de Joe Lange. Jean-Michel Jarre, ouais, peut-être. Bam, Joe Langin, il défonce tout. Ouais, vous faites du genre. Alors que monsieur, on a déjà cramé 8 crédits. Ouais. Non, mais noter, c'est, voilà, c'est l'autre là, comment il s'appelle. C'est l'autre là, comment il s'appelle. Actari ou je sais pas. Il y a Carré. Il y a Carré. Il a grandi, il est vénère. Il est surtout plus balèze. Ah bah une fois que tu lui donnes un fusil. Avion. Il y a des mecs chelous devant tout ça sur l'écran. Tu te demandes ce qu'ils font là. Ah non, je me suis relevé, je me suis fait fumer. Avec des imperméables. Ouais, oh là là, il y a des gatelines et tout. Non mais attends. Calmez-vous bien. Ouais, les mecs avec leurs imperméables. Ouais, et puis en plus ils sont en canne et tout.
Ils sont crevables, ah non. Ils ont vu. Hein, un phénix. Ils ont vu. Ah bah oui, mais... Trop flamme, tu les flammes, hein, j'arrête pas de le dire. Ah mais c'est quoi ces oiseaux qui explosent? Mais t'es une sacrée salope, toi, d'oiseau. Oh merde, les petits, fais gaffe par terre. Bah ouais, je viens de voir ça. Ça balance des œufs. Oh, c'était juste. Oh oui. J'ai failli me faire fumer. Ah non, mais moi je suis mort. Moi, à cause des ah, petits. Ah bah c'est des boss en fait. Ouais. D'accord. Non, moi je vais pas tulter. Ouais, moi c'est je les fume comme des mecs normaux. Hop. Moi je me dis c'est des mecs normaux, je te les fume. Faut casser les barrettes comme ça les mecs sortent. Ah oh, le voleur. Ah les chevaux. C'est le nain de... de Golden Axe. Les chevaux. Est-ce que les chevaux sont comptabilisés dans la ligne? Non, les chevaux, quand tu leur tires dessus, te donnent des points. Ouais, mais est-ce qu'ils comptent dans la barre? Parce que t'as une barre en bas des lignes. Ah oui, non. C'est du bonus comme un... comme un bâtiment. Merde, putain, j'ai failli me faire craver. Ouais, trop facile. Trop facile, moi, j'ai envie de dire, voilà. Ouais. Normal. Ah, ça me rappelle Cabal, tiens, ce passage. Ça me rappelle le passage où je crois que c'était avec le pont. Ben, j'ai failli pas esquiver. J'ai l'impression que les mecs font de la muscu, tu sais, qui sortent de l'eau. Vous êtes trop chelous, les gars. Ben, je vais mourir. Je l'ai senti, moi j'avais fait une roulade, mais. Ça aussi. Ok, oui, j'ai fait 2-3 roulades. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton roulade, mais ça marchait pas. J'ai tellement senti la profondeur du truc. Ah putain, cramage. Si ce cramage il rapporte à vous, il allait le dire. Ouais, une bombe, non? Non. Il est pas prêt. Non, bah t'as sauté dessus, carotte. Tadadana. Ouais, mais monsieur Butter, ça, je vous connais maintenant. Voilà, je veux dire, voilà, c'est normal. Oh là là, on me tire dessus. J'aime pas ça. Ah bah en même temps, depuis quand on tire pas dessus? On est que... Oh, que sur moi, quoi. C'est pas vrai, je suis mort. Donc ça peut pas être vrai ce que je dis. Putain, j'ai jamais vu autant de mecs sortir du sable que... J'ai raté ma roulade. Oh, oh là là, non, je suis mort. Ah là, je peux pas... Je le fais maintenant, comme ça ça lag, on n'en parle plus. Voilà, en même temps si je perds ma cible, ça le fait mourir. Ok, c'est bon, on est bien. On est guinde. Oh, le jeu où tu bourres quand même. Ouais, j'ai toujours dit que c'était risqué de rester près de BTR. Il dit qu'il veut, lui. Putain, tes potes indiens, ils vont chier, quand même. C'est vraiment des sacrés connards. Ah, je perds mon tir. Moi, je fais tout péter. Je t'en ai filé un, tiens. Attention. Putain, il y a des rivières de sang. Oh, encore un serpent. C'est le serpent d'un Ocean Blade. J'aurais plus dit le serpent dans ces villes. Non, il y a le même dans Ocean Blade. Tu peux tirer sur les bébés là. Bon, je sais pas que je sur toi. Je te le dis au cas où. Thank you.
Wow, ça se complique. Ah, je sais pas s'il y est ce jeu-là, je viens d'y penser en voyant les bulles et des trucs un peu bizarres. Tu sais le jeu qui était au GTI sur une borne spéciale, Space machin là. Et de l'espace. Ouais, même il y avait des. Des genres d'aliens. Ouais, avec des gens qui disaient Don't shoot me, puis après ils se transformaient. Ouais, mais ça jouait solo. Non, il y avait deux. Non, c'était solo celui-là. C'était solo. Je me rappelle plus. Ah oui, elle me semble, mais en plus c'est une galère. La config de ces jeux-là, c'est une galère. Hein. Ah oui, non, mais après je crois que c'était. Non, il y en mais avait deux. Non, il me semble que c'était solo, je crois. Il me semble, là, qu'est-ce qu'il fait, là, sur le... Parce que il me semble que je suis tombé dessus en plus ici. Tiens, parce que t'as été généreux, tu m'as donné une arme. Je me dois t'en donner une aussi. Ouh là 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 là. Je me suis pris des flèches. Voilà, je sais même pas ce qui m'a touché. Oh non! C'est dégueulasse! Putain, ce bordel! Ah ouais, putain, il y a des boomerangs et en plus le boomerang va à l'horizontale sur notre ligne. Ah, ça sent le boss ou pas? Non. T'es pas encore? Ah, je crois pas. Non, le boss c'est après, je crois. Ouais, il y avait les boomerangs en fait, ils venaient à notre niveau et après ils faisaient toute la ligne. Ouais, c'est le mec qui est sur le. Ah non, on est au cosin 2. Merde, j'ai pas eu le temps de. Ah ouais, on vient de finir le serpent. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, mais comme tu m'embrouillais avec ton jeu de l'espace là. Non, tu es plus. Oui, parce que moi j'ai voulu tester je ne sais plus quel. Et en sachant que ces jeux-là ne marchent pas en général aussi. C'est un autre truc à noter. Ah, ouais. Je sais que Virtua Cop par exemple ne marche pas, le House of Day ne marche pas, version arcade. Et oui, j'y ai pensé. Sinon, House of Day, il faut jouer à la version Dream. Merde! J'ai pas fait preuve de vigilance. Voilà ce qui arrive quand tu dis vigilance pas. Faut faire attention à la météo. Y'avait pas un jeu qui s'appelait Vigilante ou Vigilance, un truc comme ça? Oh si, un jeu qui s'appelait Vigilante, oui. Oh putain le con. Il m'a grenardé. Si, je crois alors que c'est je sais pas si c'est un beat'em all, par contre j'ai un doute. Ça je pourrais pas te répondre, mais je sais que le jeu me dit quelque chose. Ça c'est sûr. Quand il faut être précis, on s'avance des grenades. Tiens, le nerf. Des fois, c'est dur d'être précis. Oh là là! Ah ouais, je suis mort, d'accord. T'as des fois le temps de te rendre compte que t'es crevé. Alors que ça bourre. Bon, j'aimerais voir le hitbox de l'époque. Elle doit être juste violente. Vas-y. Oh, merci. Ah, fait chier. Le mec m'a tiré dessus, le wagon il est passé au bout. Ouais, moi aussi. Oh putain, je sais pas si j'aurais esquivé avec ma roulade à gauche. Bon, ça va être là la zone de boss alors. Ouais. Encore en train ? Je me demande si c'est pas la fin, tu vois. Pour dire vrai. Oh putain. T'avais grillé avec les grosses boules, tu peux tirer dessus, ça donne des. Ouais. C'est quand même un jeu que je suis retrouvé, ça je me rappelle, en arcade. Ah ouais. En plus, il est sorti assez tôt, quand même. C'est pas un jeu qui sort plus tard.
attribué, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure à la nuit, il me semble que c'était écrit. Mais c'est un jeu, j'en ai toujours gardé des bons souvenirs. En même temps, ça c'est des jeux de la coque, quoi, c'est des jeux d'un. C'était vraiment l'arcade. Oh putain le coup. Oh le train, voilà, ça y est, on y est. Oh le train, comment j'ai vu. On lui a à peine tiré dessus, hein, et c'est chiant un peu. Évitez de vous coller à moi. Je n'aime pas trop beaucoup vos plans. Ah bah, le train, ouais, il prend cher. Bah, en plus, le train, si t'es précis, généralement, il tire vraiment dans les zones où il tire tout seul, ça passe bien. Après, dans les pop. Un cube-œil. Ah, c'est Cobra. Oh là là. Il est balèze le mec. Hein. Taillé là. Au moins 2 mètres. Putain, t'as une bombe, hein, voilà. Vise le paquet. T'as pas le droit de contenter les gens. Ouais, balèze. Ouais. Non, mais balèze. Ouais. Au niveau des muscles. C'est pas ma définition. C'est pas définition de balèche, moi, quoi. Oh, il est musqué, quoi. Ah, écris ton nom. Attends, je vais pas me faire prier pour une fois que je peux écrire mon nom. Parce que je lui tire, je me fais baiser, quand même, à chaque fois. Faut le dire, ces dernières vidéos. Ouais, salut, mon pote, Adrien. On s'est bien marré, quand même. On a fait tomber... On a fait tellement couler du sang qu'on a décidé de s'appeler les frères sang. Ah ouais, non, mais on a fait tomber le cartel, là. Oh bah c'est plus que le cartel, on a tué les Indiens, les cow-boys, les Mexicains. on a défoncé l'Amérique. Voilà, on a pris le pays. En fait, c'est le bon. Pays est à nous maintenant. Vous, les Européens, ils peuvent arriver et construire. Voilà, tout à fait. À nous le pays. Bon, bah voilà. D'une demi-heure. Sympa petit jeu. C'était serré notre score. Ouais. On joue même pas à 10 000 points. Oh, quand et même. C'était serré. Bon, sachant que c'est juste sur la fin. 1990. Ah, 90, c'est ça. Ouais, non, mais je savais que le jeu était sorti très tôt. Donc, je me rappelais bien. Donc, voilà. Donc, on avait 8 ans. On avait certainement déjà commencé à jouer aux jeux d'arcade depuis longtemps. Oh, oui. Double Dragon et autres. Voilà. Donc, voilà, bah, encore un nouveau encore, jeu voilà. Fini, encore un nouvel épisode de Let's Pop, Push Star et Retro World pour notre ami Putters. Voilà cette double émission que l'on vous propose. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. J'espère que vous aimez ce jeu de cowboy et d'Indien. N'hésitez pas à y jouer vous-même, même des fois quand vous avez rien à faire pendant une demi-heure, vous défouler. Et ben voilà. On peut noter qu'on a utilisé exactement 22 crédits pour finir le jeu parce qu'on était à 40, il nous en reste 18. C'est plutôt un score honorable, je pense. Ouais, tout en sachant que 10 francs c'était 5 crédits. Ben ça fait 40 balles. On a mis environ 40 balles. Voilà, on a fini avec 40 balles. Oh yeah! Ok, d'accord, ouais, ok. Ça fait plaisir. Bon, bah merci à toi, Butters. Hein. Bah ouais, mais merci à toi aussi. C'était un plaisir. Ah bon, okay, et ouais, puis, merci à vous d'avoir regardé. À très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. Allez, voilà, ciao, n'hésitez les pas amis. À liker, commenter, vous abonner. Ciao tout le monde, à la prochaine!